Gruul est l'un des premiers boss de la fonderie Roche Noire et propose un combat ressemblant beaucoup à celui du boucher au cogne fort, c'est-à-dire un gros gear check, avec deux groupes qui sont répartis derrière le boss et qui vont régulièrement partager les dégâts d'une grosse attaque. Gruul est tout de même un petit peu plus complexe que le boucher, on va pouvoir le voir, mais bon, étant donné que ses mécaniques sont exactement les mêmes en normal ou en héroïque, la stratégie va s'appliquer aux deux modes sans aucune distinction. Gruul est assez inspiré de sa version de BC, pour ceux qui s'en souviennent, hein, puisque deux compétences sont directement reprises de sa version level 70. Tout d'abord, le plafond va régulièrement s'écrouler dans une zone donnée, forçant les joueurs à se repositionner, sinon bah, ils prennent des dégâts. Ensuite, le boss va régulièrement éjecter certains joueurs et commencer à les pétrifier, ce qui va les ralentir de plus en plus jusqu'à ce qu'ils soient complètement immobilisés. Après quoi, le boss va les faire exploser et ils infligeront des dégâts à tous les joueurs qui sont à peu près à moins de 8 mètres d'eux. En mode de 10 joueurs, il y a 5 joueurs qui seront ciblés par le pétrifié, et on peut avoir jusqu'à 10 joueurs qui sont ciblés en mode 30. Mais les similitudes avec le vieux Gruul vont s'arrêter là, hein, puisque maintenant Gruul se sert d'une attaque en ligne qui va lancer sur un joueur au hasard, il suffit de sortir de la zone ciblée, et c'est tout bon pour l'esquiver, donc pas très très compliqué, c'est une ligne et pas un cône, hein, c'est important à faire la différence entre les deux. Mais ce qui rythme le plus le combat au final, c'est les tranchoirs de la fournaise et les frappes accablantes, qui vont principalement être gérées par deux personnes, vos deux tanks. En gros, la frappe accablante est juste un debuff qui va être placé sur le tank et qui va se stacker très très vite, augmentant les dégâts de la frappe accablante suivante de 10%, qui se stack, etc., etc. Mais il y a un petit bonus en plus, c'est que l'attaque fait de l'AOE autour du tank, ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont sur la même position que le tank vont prendre la frappe accablante avec, et donc se faire défoncer. Évidemment, ici c'est le contraire complet du boucher, hein, puisque sur le boucher vous aviez deux tanks qui devaient se packer l'un sur l'autre. Ici, le tank qui tank le boss doit être complètement isolé du reste du groupe pour pas que les frappes accablantes touchent les autres. Mais évidemment, c'est pas aussi simple, parce que le tranchoir de la fournaise, c'est une attaque qui est lancée une fois que l'énergie du boss est passée à 100 toutes les 15 secondes, et qui va faire 1 million de dégâts de feu partagés entre tous les joueurs. Il faut donc que le boss soit très brusquement dirigé sur un des groupes de joueurs, juste avant le tranchoir, puis que le tank dégage le boss de la pile de joueurs, histoire de ne pas être touché par une frappe accablante au milieu de tout le monde. C'est la principale mécanique et la difficulté, je dirais, du combat, puisque tout le reste se résume simplement à s'éloigner des zones dangereuses, et puis voilà. Le boss a quand même une pseudo phase 2 de temps en temps où il va péter un câble et se mettre au milieu de la salle s'il l'était pas, et se mettre à lancer des frappes écrasantes dans tous les sens pendant une certaine durée, après quoi le combat reprend tout simplement normalement, hein. C'est juste une transition plus qu'une réelle phase 2. Rien de spécial à faire ici, hein, si ce n'est s'écarter les uns des autres, prendre un petit peu toute la place, survivre et ne pas prendre tous ces trucs sur la gueule. Votre distance par rapport au boss n'est pas super importante, puisque l'attaque qu'il fait, c'est pas vraiment un cône, c'est plutôt une ligne. Donc c'est pas très très important d'être collé à lui comme sur Garrosh au niveau de ses transitions ou loin de lui, ça a pas réellement d'importance, et de toute façon le boss a pas pris sa vitamine C, donc au niveau rapidité de cast, c'est vraiment pas ça, et quoi qu'il arrive vous aurez largement le temps de sortir. La stratégie maintenant pour venir à bout de Gruul ressemble un tout petit peu à celle du boucher, hein, c'est vraiment dans l'esprit, puisqu'il va vous falloir organiser deux groupes qui vont se stacker chacun d'un côté du cul du boss alors que le tank principal est tout seul devant, pour éviter justement que les debuffs touchent le raid. Vous êtes grosso modo donc placé en triangle avec les deux groupes et le tank qui forment chacun un des angles. Là où ça se corse évidemment, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les tranchoirs, et les tranchoirs forment du coup la principale complication du combat, avec les switches entre les tanks qui sont liés à la fois au debuff du tranchoir et à la fois au debuff de la frappe accablante, hein, c'est deux debuffs que les tanks vont devoir gérer. Vous avez deux stratégies en fait au niveau des tanks qui sont possibles, ça concerne vraiment uniquement les tanks. Vous avez la première stratégie où vous allez chacun tanker le boss de manière complètement ininterrompue jusqu'au troisième tranchoir, où l'autre tank vous reprend, tank de manière ininterrompue jusqu'au troisième tranchoir, etc., etc. Ou alors vous avez l'autre stratégie où vous vous tauntez mutuellement le boss pour chacun des tranchoirs pour partager un tout petit peu plus le burst entre les deux tanks et éviter au tank principal de devoir se déplacer pendant qu'il tank le boss. La strat du je tank tout jusqu'à 3 stacks du tranchoir, en gros, c'est plus ou moins ce que nous on a adopté sur notre premier down puisqu'on savait pas exactement comment il fallait faire, donc c'est principalement ce que vous verrez en image, mais elle est, j'estime, beaucoup moins efficace que la stratégie du taunt, et sérieusement, vraiment beaucoup plus dangereuse pour vos tanks. On va donc se concentrer ici sur la strat du taunt qui est beaucoup plus efficace, elle est beaucoup plus efficace au niveau du déplacement, des dégâts subis, et surtout elle évite simplement de A à Z le problème de la frappe accablante qui peut toucher le groupe, puisque le tank actif, de toute façon, ne bougera jamais de son angle isolé. Ce qu'il faut faire donc avec cette stratégie, c'est avoir votre off-tank qui est placé sur un des deux groupes, disons le groupe 1 au début, et quand le boss qui est tanké par le tank principal arrive à 100 d'énergie et commence à lancer son tranchoir, l'off-tank le taunt par-dessus la pile de joueurs du groupe 1, le tranchoir est fait sur le groupe 1, le tank principal reprend immédiatement le boss, ensuite l'off-tank va se placer sur le groupe 2, attend le prochain tranchoir, quand le tranchoir arrive, il taunt immédiatement le boss pour que le tranchoir soit fait sur l'autre groupe,
Dès que ça c'est fini, le tank principal reprend. Love Tank va se placer de nouveau dans le groupe 1. Quand il y a le tranchoir qui arrive, il taunt le boss. Le boss fait son tranchoir sur le groupe 1 qui aura de toute façon reset ses stacks juste avant. Love Tank, lui, par contre, il prend son troisième stack de tranchoir et après ça, il conserve l'aggro du boss. Il va se placer à la place du tank principal et devient lui-même le tank principal pendant la prochaine phase, alors que l'autre tank, lui, se replace déjà dans le groupe 2, qui sera donc le prochain groupe à prendre le tranchoir, qui attend, et quand les tranchoirs arrivent, taunt, 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 et ainsi de suite. Et puis voilà. Donc c'est vraiment toute une histoire de taunti-taunta à un moment, en fait. Quand il y a le tranchoir qui arrive, il y a deux taunts qui vont être lancés sous 2 secondes, quelque chose comme ça. Donc faut faire ça relativement correctement, faut avoir un bon timing entre les tanks. Et évidemment, faut pas taunter n'importe comment. Hein. Évidemment, si l'off-tank taunt trop tard, ben, le tank meurt. Et si l'autre tank retaunt trop tard, il y a une frappe accablante qui sera posée dans le raid et à ce moment-là, ça va être un petit peu catastrophique. Donc il faut vraiment avoir un bon timing, mais c'est une stratégie qui est beaucoup plus efficace. Petite précision pour le tranchoir, du coup. Son debuff dure 30 secondes, il est appliqué toutes les 15 secondes. Ce qui veut dire que s'il y a deux groupes qui le font, chaque pile de joueurs ne prendra qu'un seul debuff, qu'on alterne à chaque fois, il n'y a pas besoin de faire deux stacks par groupe ou ce genre de truc. Pas besoin non plus d'utiliser des CD de raid, des trucs de fou ou autre. Pour le tranchoir, les dégâts sont relativement bas avec un seul stack. Concentrez-vous donc sur les tanks, au besoin, puisque eux risquent de prendre assez cher. Cette stratégie a énormément d'avantages. Hein. Comme j'ai dit, elle partage les dégâts entre les tanks, puisqu'ils prendront jamais à la fois des frappes accablantes et des tranchoirs. Ils peuvent donc organiser leur CD défensif en fonction sans prendre trop de risques. Elle évite, comme j'ai dit plus haut, de devoir faire se déplacer le tank principal d'un groupe à l'autre et risquer que des frappes accablantes mal timées soient posées. Donc c'est vraiment 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 mieux. Gardez quand même en tête à mi-tank que lorsque vous off-tankez et que vous prenez votre troisième tranchoir, ça signifie que c'est à vous de prendre le boss. Replacez-vous donc rapidement au bon endroit, isolé des autres à la toute fin du tranchoir, avec un sprint, un bond héroïque ou n'importe quoi. Faites aussi attention parce que vous allez prendre extrêmement cher pendant le tranchoir, hein, puisqu'une partie de l'attaque est uniquement sur vous et n'est donc pas partagée avec le raid. Donc claquez de gros CD, surtout pour le deuxième et le troisième tranchoir. Le premier, il n'y a vraiment pas besoin. Et il faudra bien vous organiser au niveau mitigation, hein, entre vos CD défensifs à vous et ceux du raid. Et ayez une rotation en place pour avoir au minimum un CD externe en plus du vôtre pour le troisième tranchoir, et éventuellement un petit quelque chose pour le deuxième si vous avez des problèmes. Le tranchoir fait des dégâts de feu au raid, mais par contre votre part à vous, elle sera physique. Hein. Donc inutile d'aller maximiser votre mitigation magique et de ruiner votre mitigation physique, ça vous aidera pas du tout. Petite astuce pour les tanks, et après j'arrête, il est tout à fait possible de soquer un tranchoir en solitaire si nécessaire. Les paladins peuvent par exemple le faire avec un ardent défenseur ou avec un taunt sous bubule, même si c'est un peu plus dangereux, faut quand même faire attention. Les moines, eux, peuvent le faire avec diffusion de la magie ou la méditation zen. Je saurais pas dire si les autres tanks peuvent le faire, j'imagine qu'avec un nombre hallucinant de CD, plus CD externe c'est jouable, mais honnêtement, si soquer un tranchoir en solo c'est plus compliqué que d'appuyer sur un voire deux boutons, ça vaut pas forcément le coup de le faire. Mais n'hésitez pas, si vous êtes druide, DK ou guerrier et que vous avez solo soak un des tranchoirs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, que je puisse ajouter ça au niveau du guide. Faites aussi attention au fait que les frappes écrasantes du boss seront toujours lancées sur un joueur, ce qui veut dire qu'en phase 1, puisqu'il y a deux piles de joueurs, elles seront toujours lancées sur une des deux piles. En phase 2, ça vous obligera aussi à vous écarter un peu plus des autres, vous pouvez pas faire juste un pack de joueurs et puis rester ensemble pour soi-disant là où il ou autre, hein, puisque il n'y a pas vraiment de dégâts de raid, étant donné que le boss ne doit pas toucher qui que ce soit avec sa frappe écrasante, ce qui veut dire que dès que la phase 2 commence, écartez-vous tous mutuellement les uns des autres, vous survivez à la phase avec le moins de joueurs possible qui doivent bouger à chaque fois que le boss lance son truc, et ensuite vous vous replacez dans les groupes qui sont placés sur des icônes, et puis il n'y a pas de souci. Pareil pour le plafond hein, qui s'écrase sur les joueurs, c'est honnêtement pas quelque chose de très important. Si ça arrive au plein milieu d'un des groupes, vous décalez simplement le groupe soit à gauche soit à droite, et les autres peuvent se décaler en fonction, c'est pas un problème. Ce qu'il faut juste, c'est que les gens restent un minimum regroupés, et que vous soyez bien placés à partir du moment où le boss prépare son tranchoir. La pétrification, c'est pas non plus très très difficile, honnêtement, hein, vous voyez que j'ai parlé genre 90% de la vidéo, c'est pour les tanks. Mais bon, bref, c'est la réalité du combat. Quand vous prenez la pétrification, ce qui est important à savoir, c'est qu'étant donné que le tranchoir, c'est un cône, et que le tranchoir a besoin de toucher tous les joueurs du groupe, si vous prenez la pétrification, ne vous barrez pas sur la gauche, ni sur la droite de votre groupe, pour éviter de les toucher, partez immédiatement vers l'arrière, en fait. Si vous partez vers l'arrière et que votre groupe est censé prendre un tranchoir, vous prendrez le tranchoir avec votre groupe en étant derrière. Par contre, si vous êtes à droite ou à gauche, vous le prendrez pas, et ça augmentera les dégâts sur tout le monde. Et franchement, c'est pas très très difficile, c'est pas très important d'être complètement isolé avec la pétrification. Si vous êtes un ou deux joueurs pétrifiés au même endroit, c'est pas énormément de dégâts, il y aura franchement vraiment vraiment pas de soucis. Mais vraiment prenez l'habitude, partez vers l'arrière de votre groupe, et soyez toujours à portée du tranchoir. À partir du moment où la strat est connue au niveau des groupes,
Le combat est surtout basé sur les tanks au final, hein, leur capacité à s'organiser entre eux et à utiliser leurs CD efficacement et surtout à taunt correctement si vous faites cette stratégie. Ne sous-estimez surtout pas Gruul parce qu'il va vous le faire payer. Je trouve personnellement qu'il est un petit peu plus difficile que Darmak ou Ansgar et Franzok qui sont les deux autres boss de début d'aile, mais ça reste un boss instructif, il sera jamais injuste et il sera jamais random avec vous.